face à la grande équipe d'Angleterre qui est des trois meilleures équipes du monde. Et qu'elle a vu une par contre eh bien, face à la réserve de l'équipe d'Angleterre qui était beaucoup moins convaincante. Mais là, eh bien, ils sont formidables les Français avec le talent Mickaël Simon qui traverse toute la défense écossaise. Il n'est pas même pas de loin, il va chercher le soutien. Ah, il n'a pas réussi à trouver. Et le jeu va rebondir du côté français alors qu'on essaie de ralentir du côté de cette équipe écossaise avec Pélissier. Un ballon maintenant pour Bétiéry. Bétiéry, cela va jouer. C'est le feu d'artifice tricolore. Hein. Magnifique, magnifique vraiment. Ah, ils font ce qu'il faut les Français à cette fin de match. Ils auraient pu tomber dans la facilité. Et au contraire, ils régalent le public jusqu'au bout avec ce nouvel essai français. Et là on voit l'intelligence de la ligne de trois quarts avec Gossard porté en position de centre là, qui délivre un caviar pour Mathias Pala. C'est évidemment le centre Simon qui fait tout le boulot, mais après par la suite on est bien placé, idéalement placé en profondeur. Je fixe, je donne à la sortie. Voilà, ça se termine par un essai plein d'à-propos. Le 13 de France est en train de se sublimer en cette fin de match. Ah, Mickaël Simon qui a mis le feu en cette fin de match. Regardez le départ de l'action, c'est super. Regardez la détermination de ce joueur. Hop, il passe entre deux Écossais. Il continue derrière, il fait l'extérieur. Hop, il va se permettre même un petit pas de loin. Vous allez le voir. Hop, là, vous l'avez vu. Hop, et les défenseurs écossais dans le vent. On rejoue derrière le tenu, même si les Écossais ont tenté de ralentir un petit peu l'action. Mais derrière, ça jouait parfaitement. Je me demande même s'il n'était pas dans la possibilité de marquer l'essai tout seul, tout simplement. Parce que le joueur qui revenait à sa hauteur, c'est une seconde ligne, c'est Jordan Rice, qui n'avait pas forcément plus de cannes que lui. Il n'a pas cru. C'est vrai que c'est rare d'avoir un pilier marqué sur 80 mètres, après 80 mètres de course. Mais bon, toujours dit que la France a inscrit ce nouvel essai, et c'est ça le principal. Allez, transformation ensuite de Thomas Vasque pour la quarantaine. Boss. Bam. Et ça va au milieu des poteaux, magnifique. 40 à 10, eh bien on est vraiment complet en cet après-midi ici au stade Gilbert Bouffuf. 40 points pour l'équipe de France.